Bien-aimés, bonjour. Bienvenue dans cette série d'enseignements. Aujourd'hui, nous allons parler de la bénédiction une fois de plus. Je vous félicite parce que vous avez déjà intégré beaucoup de choses concernant la bénédiction. Aujourd'hui, je vais lire avec vous Deutéronome 28 au verset 12. La Bible dit « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. » Je viens t'annoncer aujourd'hui que le travail de tes mains est béni. Ce que tu touches là, ça porte la bénédiction. Tout ce que tu fais, ça doit marcher. Et c'est un décret, un commandement en haut. Parce que souvent les gens se disent que c'est même au nom de quoi que je vais me voir en train de faire ceci. C'est au nom de quoi que je vais croire que j'ai quelque chose. C'est au nom du décret qui a été donné par Dieu. Donc c'est quelque chose qui vient d'en haut. Ça vient d'en haut et ça me touche. Comme ça me touche, je passe ça à d'autres personnes. Donc ce que tu touches de tes mains pour faire, ça ne peut pas échouer. Ok? Tu ne peux faire quelque chose et ça échoue. Répète-toi cela. Je ne peux pas faire quelque chose, ça échoue. Je ne peux pas être dans une activité, ça échoue. Soyez bénis.